Bonjour à tous. Donc, on va regarder comment faire pour euh, exporter notre objet directement de Substance Painter à SketchFab. Euh, donc, ce qui est intéressant de SketchFab, c'est qu'on peut y uploader nos différents modèles 3D et on peut les visionner en temps réel, donc pouvoir tourner la caméra. On peut également gérer l'éclairage. C'est aussi possible d'aller ajuster les textures et les matériaux si jamais on en a besoin, parce que des fois, quand on exporte sur SketchFab, les choses ne sont pas nécessairement aussi euh, nice qu'elles devraient être. Donc, bien entendu, vous vous rendez sur le site SketchFab, donc b.com et vous allez cliquer sur Sign Up. Donc, vous, tout simplement, vous créez un compte. Euh, alors, euh, vous choisissez votre courriel, ensuite, euh, ben, vous choisissez un nom, ensuite votre courriel, vous créez un mot de passe, et la suite, je crois que vous allez être capable de la faire. Et tout simplement revenir sur Substance Painter une fois que c'est fait. Donc, ce ne sera pas en allant sur le site de Sketchfab euh, et ensuite faire upload que vous allez faire ça. Vous allez tout simplement le faire à partir de Substance Painter. Alors, une fois que vous avez terminé l'application de vos textures, donc si je regarde ici, j'ai déjà tous mes, euh, mes matériaux, pardon. N'oubliez euh, pas que vous devez diviser chacun de vos morceaux. En matériaux pour pouvoir les voir euh, dans le fond listés en tant que euh, layer de matériaux. Sinon, vous allez avoir tous les matériaux dans un seul bloc. Euh, c'est peut-être pas ce que vous voulez non plus. Donc, une fois que c'est fait, je viens cliquer sur File, Export Texture. Et là, dans Export Texture, je devrais voir lister chacun des matériaux que j'ai créés pour mon objet. Euh, petite chose à noter euh, d'ailleurs, c'est que si, admettons, vos textures sont en 4096 par 4096, ça augmente, euh, bien sûr, vous avez une meilleure résolution, mais ça augmente aussi le poids de, votre, euh, de vos textures. Donc, euh, chacune de vos textures pourrait peser quelque chose comme euh, 10 ou 15 MB. Euh, généralement, ça ne cause pas de problème. Le problème, par contre, que ça peut vous causer, c'est que quand vous créez un compte sur Sketchfab, vos premiers uploads ne peuvent pas dépasser 50 MB. Si vous avez beaucoup de matériaux, comme dans mon cas, j'ai quand même beaucoup de matériaux, et euh, que votre objet dépasse, ben, que tout votre objet dépasse 50 MB en poids, euh, vous n'allez pas pouvoir l'uploader. Donc, ce que je vous conseille, c'est tout simplement mettre toutes vos textures en 1024 par 1024. Et de cette façon-là, vous vous assurez que votre objet ne soit pas trop lourd. Euh, j'ai déjà fait le test tout à l'heure. Pour euh, combien de matériaux que j'ai Deux petites secondes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour 10 matériaux en 4096, alors euh, je dépassais les 100 MB. Donc euh, c'était beaucoup trop. Tout simplement réduire à 1024 par 1024, vous allez être certain que vous avez les bonnes, euh, dans le fond, le bon poids. La chose suivante, c'est de venir dans Config. Donc, au niveau de config, je vais cliquer sur le bouton déroulant. Donc, j'ai vraiment plusieurs façons de configurer mes matériaux lorsque je fais un export. Et celui qui m'intéresse, c'est SketchFab. Donc, je vais cliquer sur SketchFab. Euh, le reste, c'est correct. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Export. Et là, je vais voir qu'il va exporter pour SketchFab. Il va également me demander de me connecter à mon compte Sketchfab comme je l'ai déjà fait. Euh, moi, il ne va pas me poser la question, mais vous, vous allez avoir une petite fenêtre. Euh, même si la fenêtre vient de Substance Painter, ce que vous devez euh, entrer, c'est votre compte euh, Sketchfab, pas votre compte euh, Substance Painter, mais votre compte Sketchfab. Et vous avez euh, la possibilité de décrire c'est quoi euh, un titre à votre objet. Donc, peut-être euh, expliquer c'est quoi. Dans mon cas, ça va être un old euh, rusty alarm clock. Je peux mettre une petite description. Dans le fond, je ne vais pas en mettre. Euh, clique sur publish et ensuite upload. On va lui laisser le temps de upload. Euh, login. Et ensuite, mon objet va venir automatiquement se uploader sur Sketchfab. Ça se peut que ce soit un peu plus long. Euh, si, vous, si vous voyez que ça prend un temps euh, complètement ridicule, euh, tout simplement suivre vos courriels. Il y a des chances qu'on vous envoie un courriel pour vous annoncer que votre objet a été euh, uploadé. Et, euh, que vous n'avez pas, ben, généralement, si vous n'avez pas reçu le courriel, c'est parce qu'il est encore en train de processer. Mais des fois, vous recevez le courriel pour dire qu'il a été uploadé. Et c'est encore, vous avez encore cette fenêtre-là pour dire que, que le process est fait. Donc, je vais faire une pause sur la vidéo le temps que ça se fasse. Alors, voilà. Donc, on a notre petite euh, fenêtre. Donc, euh, Export successfully finished. Donc, je peux ouvrir le dossier. Dans lequel euh, on va trouver notre euh, notre objet. Je pourrais même cliquer euh, clic clique droit dessus, donc faire Extract Here, et là je pourrais voir toutes les textures dans le fond qui ont été exportées. Je vais simplement fermer ça. Et là, si je vais sur Sketchfab, et eh bien je vois mon objet qui est placé en ligne. Je peux également cliquer sur Model Inspector. Donc comme ça, je peux voir mes différents, je peux le voir en Base Color. Je vais voir le Metalness. C'est quand même cool. Roughness, Normal Map. Opacity. La spéculaire. Et si jamais vous avez une texture qui a mal sorti, vous pouvez toujours venir ici dans Edit... Je crois que c'est Edit Properties. Euh, non. Nope. On va revenir. Donc, Edit 3D Settings. Bien entendu, il ne fallait pas choisir le bon en premier. <laughs> et là, je vais trouver Materials. Et dans Materials, je vais avoir la liste de tous les matériels. Tous les matériaux que j'ai. Donc, si je clique sur Body, je vois qu'il y a mis en jaune mon matériel de body et je peux venir jouer avec différents settings. Donc, comme ça, vous les mettez. Euh, comme, euh, comme vous voulez, selon votre appréciation. Vous pouvez jouer avec la lumière si vous maintenez la touche Alt. Donc comme ça, on voit que la lumière se déplace différemment. Quand vous avez terminé, vous faites Save Settings. Donc, pour ceux qui vont avoir euh, réussi à euh, sortir leur objet sur euh, Sketchfab, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de m'envoyer un MIO. Euh, avec le lien vers votre objet Sketchfab. Okay? Donc, vous avez euh, jusqu'à la semaine prochaine euh, pour euh, sortir votre objet sur Sketchfab. Et euh, ben, c'est la façon dont je vais le corriger. Si vous avez des questions par rapport à euh, Sketchfab ou à Substance Painter, des choses que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un Mio. Euh, ça va me faire plaisir de faire un tutoriel pour, euh, dans le fond, vous aider à ces niveaux-là. OK? Donc, euh, bon, euh, bon, Madeleine.